m'a fait jodi a, parce que jodi a son journée absolument spéciale. Et m'a commencé live tout jodi a avec yo invitation et m'a fini le tout avec yo invitation. Qui invitation lié nous capable suivre tout programme VOA Créole côté que nous invité yo dans un programme spécial qui passé après rendez-vous info. 1 à 5 heures, rendez-vous info a fini à 4h30 et puis l'a passé lui-même à 5 heures. C'est un programme spécial que nous avons réalisé dans l'occasion Journée mondiale Liberté la presse. C'est 31e édition et année ça, il y a Chili avec une histoire Chili qui prend une grosse option, qui font une grosse avancée dans le classement mondial que Reporters sans frontières fait chaque année. Et c'est lui-même avec UNESCO ANESA qui mettait en pile activité sous pied depuis hier et l'a fini demain. Et il y a un rapport avec crise climatique que nous venons en pile grand rendez-vous international côté que vous parlez de gaz à effet de serre, il y a parlé de gaz carbonique, il y a parlé de changement climatique. Et je veux dire, c'est nous prenons le chita plus sous journée internationale Liberté la presse. Nous sommes capables rapidement, avant nous entrer la donne, parler de. Et dans le pays d'Haïti, côté que la situation est toujours et à Chita sous conseil présidentiel de transition, côté que grand pile et réaction qui gagne, grand pile réaction défavorable qui fait après que et ben yo nommé par une majorité, c'est une majorité et là même dit écrasante, c'est 4-3, nous connaissons que il y a 9 membres dans le conseil présidentiel de transition. Il y a 2 qui n'ont pas le droit de vote, il y a 7, donc 4-3. Donc c'est 4 là qui nommaient premièrement et Edgar Leblanc-Fils, qui lui-même ancien sénateur, qui vient coordonnateur. Il y aurait le président, mais normalement, et jargon, c'est coordonnateur conseil présidentiel de transition. Et dans la même foule, dans la même esprit, dans la même joie, il y a nommé tout Fritz Belizère comme ministre, premier ministre. Donc il y a une discussion qui fait, surtout dans l'équipe 3, et actuellement là, on a eu une réunion, jeudi encore. Hier, on a eu une réunion d'après information qui vient de nous sur le pays d'Haïti. On a eu une réunion avec CARICOM, qui est Sababay Anye, et jeudi encore, on a eu une réunion pour voir dans quelle mesure on est capable de trouver une solution à un problème. Il y a un côté qui parle, il y a un groupe qui parle de pour voir tout le processus là. Bien qui parlait de ta simplement questionner nomination premier ministre là M. Fritz Belizère et ou bien tout que yota ouais tout et processus là et yota refait vote là concernant président donc n'a supposé donc normalement yota supposé qu'on réunion aujourd'hui là donc nous pas connaître ça qui a passé là dedans donc n'a gagné pour nous un reportage sur ça avec Jean-Robert Philippe ou bien correspondant de Port-au-Prince Yves Manuel dans le programme et rendez-vous info que Jean-Robert Philippe a présenté. En nous entrer qu'on y a dans question classement qui fait chaque année, son classement que Reporters sans frontières fait chaque année, côté que le bail bon canet, mauvais canet. Dans la question liberté de la presse, il y a un gros pays qui perd du place, notamment les États-Unis, perd du place. Gagne Haïti tout qui prend place. Donc ça veut dire son canet pour tout le monde. Il y a des gens qui prennent mon canet, il y a des gens qui prennent mauvais canet. Donc nous allons voir ça ensemble qu'on y a là. Donc, et classement ça, il y a un rapport avec 180 pays. Et la Voix de l'Amérique te parle tout avec responsable bureau Reporters sans frontières qui est dans Washington en parlant de Clayton Winners qui lui-même tout fait commentaire par rapport à et classement par rapport à réaction qui tombe. Et nous dit nous t'a même saluer quelques monde là rapidement et nous saluer Blaise qui a fait suivre pas connait est-ce que sont en bon femme si que si sont en bon n'a pas me connaît et Irlen Calix dit si sont en bon parce que ou même Wap gade, donc sont bon, et n'a pas continué. Donc, il y a 180 pays qui concernaient, 180 pays ou territoires qui concernaient par et classement ça. D'abord, et ça, M. Wenners dit, qui est à la tête du bureau qui est dans Washington, il dit que
dit que le gouvernement yo avec responsabilité responsable politique yo yo même yo représenté yo gros menace pour journalistes yo. Et il dit que en pile fois yo ouais que qui gens que gouvernement yo avec politiciens yo yo la gros venir sous la presse yo critiquer la presse toute la journée toute la nuit et même yo même utiliser et appareil gouvernemental là comme appareil gouvernemental yo comme zam pour yo ka critiquer et la presse. Donc yo commencé par yon pays qui lui-même fait un gros baisse, c'est pays Argentine qui a enregistré plus gros baisse dans classement. Donc il sorti dans 40e place pour tomber dans 66e place. Ça veut dire il perdit 16 places n'a pas les deux Argentine. Et dans l'analyse, on dit que ça qu'a expliqué gros baisse ça bon côté Argentine, c'est élection nouveau président Milei. Yo dit Milei lui-même et Javier Milei lui-même c'est un monde qui lui-même il dit il exprimait et hostilité par rapport à la presse et y a une décision que le prend et qui fait un pile monde pas en pile c'est financement que le retirer dans médias publics et lague tout gros accusation sous la presse. Donc Milei qui a fait face à une grosse difficulté avec réforme économique que l'a fait dans le pays Argentine et avec manifestation toute la journée, toute la nuit, gros manifestation, c'est des milliers de monde qui a pris la rue. Donc lui-même l'a fait. Lui-même, dans le moment où on a parlé là, Argentine tombée en 66e position. Il faut dire que la Voix de l'Amérique est entrée en contact avec l'ambassade Argentine dans Washington. La Voix de l'Amérique voit un email pour te réagir. Mais dans le moment où on a parlé là, il faut qu'on ait une réaction qui sortit bon côté ambassade pays Argentine qui trouvait dans Washington. On a continué avec classement. Et classement numéro 1 n'a pas changé. Numéro 1 n'a pas changé en parlant de la Norvège qui était numéro 1 mondial dans les affaires liberté, la presse. Et nous sommes capables, pendant que nous sommes en Norvège qui est numéro 1, nous avons tout été tout dans top 5, ça veut dire 5 premiers. Qui c'est après la Norvège, nous jouons Danemark, la Suède, la Hollande avec la Finlande. Et dans quelques camionnettes là, donc nous faisons top 5 là, nous capables de top 5 dans le cœur en parlant de Iran, apprenons bien dans le cœur, Iran, Corée du Nord, Afghanistan, la Syrie avec Érythrée. D'abord deux top 5 yo. Top 5 dans tête là, c'est la Norvège, le Danemark, la Suède, la Hollande avec la Finlande et puis dans quelques camionnettes là nous joignons Iran, Corée du Nord, Afghanistan, la Syrie avec Érythrée. Qui situation États-Unis? États-Unis lui-même il perd 10 places. Il tombé en 55e place. Donc il perd 10 places. Donc il sorti dans 45e pour tomber dans 55e. Yo bah explication c'est à plusieurs arrestations journalistes qui fait et puis des sortes de liens qui étaient faites dans le journal dans Kansas. Donc tout ça fait que ça a affecté carnet les États-Unis. Donc l'autre réaction encore gagné Emily Wilkins qui est président National Press Club dans Washington, il croit que c'est un bagage qui fait mal en pile là on paye tant coup les États-Unis et ben gagne menace sur liberté la presse. Il dit que ça va être tête fait mal, ça va être sauté, les yon bagay comme ça rivé. Christian le tout, et ça qui t'a qu'à expliquer ça, c'est que gen discours politiciens yo qui en pile fois, yo critiquer la presse et ont montré comme si la presse c'est ennemi peuple là. Et Emily Wilkins dit comme ça que chaque leur fait ça, c'est un coup que yo bay la démocratie et yo fait pays à vin pi faible. Toujours d'après classement 2024, Reporters sans frontières là, yo parlait de la Russie. La Russie t'a semblé que li fait progrès, mais yo progrès tête chargé. Parce que la Russie, je prends deux places pour le monter en 162e position. Il était dans 164e, li Konyal fait progrès dans 162e position. Mais Reporters sans frontières précisait que son classement qui a trompé nous, faut nous faire attention. Parce que là, dans 162e position, son bagage qui grave. Et on expliquait qui j'en fait que la Russie lui-même toujours prend mauvais canet et dans question ça. Il dit que c'est pas que la Russie gagne bon canet, la Russie qui gagne mauvais canet, mais ça qui passe c'est que gagne pays situation plus grave
dans l'autre pays, la Russie. Donc, le facteur qui explique mauvais canet la Russie, c'est parce que lui emprisonné plusieurs journalistes et gain deux là-dedans, c'est journalistes et américains. Première, c'est Ivan Gerkovitch, qui sont reporter Wall Street Journal, qui est en prison depuis 2023 en bas accusation espionnage. Ça que ni journal là, ni gouvernement américain, ils ont même démenti. Et le département d'État dit emprisonnement journaliste, ça, qui a 32 ans, ça n'a pas de base, il n'a pas de bon fondement. Et puis, deuxième journaliste américain, c'est Alsou Kerkmacheva, qui est rédacteur en chef de télévision Sphère, la voix d'Amérique, en parlant de Radio Europe, Radio Liberty, qui est en prison depuis octobre 2023. Pour être qu'il était oublié, inscrit comme soi-disant agent étranger, il était diffusé Moscou, dit nouvelle sur Moscou, que Moscou considérait comme fake news ou bien mauvais information, notamment sous l'armée dans le pays la Russie qui nous connaît, qui font invasion dans le pays Ukraine. Et puis, on dit que il y a un gros groupe qui défend la liberté de la parole. Il y a critiqué surtout le département d'État. Il a dit qu'il n'a pas pris position claire pour Kerkmacheva, qui a même dit s'il a dit que l'emprisonnement n'a pas fait soin, peut-être que ça a aidé pour la Russie libérer. Mais il y a un département d'État qui parlait avec la Voix de l'Amérique qui dit que le gouvernement a fait un pile travail. Il a envoyé spécial, et non seulement sous Kassa, mais sous l'autre cas encore qui a un rapport avec l'emprisonnement journaliste. Mais plus mauvais canet a joint pays la Chine qui d'après classement c'est plus mauvais pays dans le monde sous question emprisonnement journaliste. Étant donné qu'il côté situé, il est en 172e position. On dit que malgré que nous tenions pile de mauvaises nouvelles sous classement, mais des bonnes nouvelles, n'a pas partagé la voix et par exemple amélioration pour Ukraine qui prend 18 places, qui montait en 61e place. Et en Amérique du Sud, ça c'est une grosse victoire, c'est un Chili qui prend 31e place pour le classer qu'on y a en 52e position. Haïti lui-même prend 6 places, Haïti est trouvé en 99e position, lui prend 6 places qu'on y a trouvé en 63e position. Li devant Guinée-Bissau et puis non, li derrière Guinée-Bissau et puis li devant Sénégal. Haïti gagne 55.92, donc pour amélioration pour Haïti. On dit que Anessa, qui c'est 31e édition parce que c'est en 1993 et que les Nations Unies t'ont décidé de faire le jour ça 3 mai une journée nationale internationale plutôt mondiale liberté la presse. Et année ça, ils ont mis en pile accent et on dit que dans tête toute activité ça, c'est UNESCO avec Chili qui organisait plusieurs activités pour montrer qu'il y a que liberté la presse capable, profitable pour toute activité qu'a fait pour changement climatique. Ouais, dans tout gros événement, dans gros rassemblement international, ils ont toujours parlé de liberté, ils ont parlé de changement climatique, ils ont parlé de gaz à effet de serre, tout ça. Donc, il a montré que la presse capable de jouer un rôle. Après-midi, nous allons gagner deux programmes spéciaux, notamment rendez-vous qui prend un programme spécial parce que la focus sur journée liberté la presse, journée liberté la presse. Et puis, nous allons gagner un spécial et à 5h, côté que nous recevons des confrères, notamment il y en a un monde qui est particulier à travers. Et support que nous tendons, il y a Robertson Alphonse qui était confrère nous, qui a travaillé jusqu'à présent pour la nouvelle liste et lui-même était victime d'une tentative d'assassinat. Mais gloire à Dieu, il est toujours vivant, il est aux États-Unis et il continue à travailler pour la nouvelle liste. Donc c'est là que nous mettons fin à live tout chaud pour après-midi. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Et nous demandons pour brancher après-midi à plus toujours avec Jean-Robert Philippe qui va le présenter nous. Rendez-vous info. Merci pour l'attention. Merci pour la fidélité. Nous avons commencé avec une invitation. Je finis avec une invitation. Donc, invitation, c'est assez que tapant pour nous capables de suivre le programme spécial là dans l'occasion journée Liberté la presse. Donc, nous saluons tout le monde. C'est un plaisir de vous informer.
avec des comment situation lui-même liée dans la capitale là, comment avec quelques zones vivées dans la capitale là. Pendant que nous démarrer au niveau de Kafoudouya, comment ça payer, nous te mettons nous au niveau de station Gonaïve, pour nous dire que nous avons annoncé là, de route à lui-même qui était bloqué depuis un bon bout de temps, blesse de son petit monsieur la mieux avec monsieur la police, au président de la police, a fait mon œuvre, et bien, il y a débarré route à Bouvier juste net, devant terminal Varia, terminal Varia tout, devant débloquer, il y a un matin de très tôt, il y a un pile camion qui était déjà présent devant terminal là pour t'aller prendre gaz pour distribuer dans plusieurs pompes malgré nous pas remarqué pendant la journée pour qu'il y ait bail gaz mais nous pas connait si c'est pour quoi pour elle est ouverte, mais dit matin de très tôt, il y a plusieurs camions qui sont déjà descendus dans le terminal Varia pour aller prendre Gaza. Malgré blessure de son route, autoroute de Delma, lui-même, toujours bloqué. Machine ça qui passe dans la route nationale numéro 1, et nous parlons de la route nationale numéro 1, c'est au niveau de 3000 ou de son Kafoudouya, et vous descendez sur la station Gonaïve, c'est la machine ça avec entre piste là, c'est la machine même qui passe descend. Mais il faut dire blessure de son route, autoroute de le bas d'Elma, lui-même, il toujours été bloqué dans le niveau d'Elma 4, il est bloqué là, il a monté tout dans d'Elma 5, bon ancien, un petit poste qui était dans d'Elma 3, tout pour entrer dans d'Elma 18, là, tout là, il est bloqué, mais c'est avec des bus in autoroute, là, bloqué lui-même par rapport avec monsieur lui-même qui bloqué route ça, nous ne connaissons pas jusqu'il est route ça, lui-même, là, privé, débloqué, mais route ça, lui-même, il toujours été bloqué. Nous avons quitté là, dérivé au niveau de Nazon, d'Elma 24, comment ça, il faut dire, bon, attention, qui est vraiment calme. Dans une zone malgré hier soit des tensions encore qui étaient faites sous zone Delma 24 avec Solino, monsieur Vivant Sango qui t'a essayé encore frapper mais qui soit loué la police était sous place était refoulé monsieur mais ça pas vraiment gain tension qui était trop exagéré mais c'était son et bien zone ça même retourner avec tension calme tout était fait route dans comment ça était tout bagarre fonctionner normalement bien tout bagarre fonctionner nous était déjà refusé marche dans ce marché informel yo et était déjà répondre présent nous était au niveau de la lui a blessé comment ça y au niveau de la lui quand la lui a blessé lui qui tourne avec portail léogan la lui c'est lui même qui tourne portail léogan par rapport avec tout point tout bon sous la lui a c'est là où est toute machine qui fait grand studio c'est là même il a chargé ni bis qui a monté pour aller Pétionville ni camionnette cap sorti centre ville pour monter aller Pétionville pour monter Delma et bien c'est sous route la lui a blessé yo même yo positionné pour charger fond dit nous devons descendre sous chaîne masse à commencer à y avoir son chaîne masse qui vraiment qui est vraiment calme par rapport avec les choux qui sont passés au chaîne masse vraiment calme la vie déjà reprend sous chaîne masse la vie déjà reprend nous représentons en pile monde sous chaîne masse là tout place presque il y a bien monde c'est seulement parce construction qui va y être monde mais malheureusement nous avons des monde qui présent sous lui je dis à la police même je pas dit mon yo retire quand nous avons plusieurs monde déjà chita sous parce que nous sont en et nous remarquer plusieurs chauffeurs moto tout blessé de son au niveau de place du papa de Talina monsieur qui est en bas puis bois. C'est des chauffeurs moto qui attendent pour faire quelques courses pour descendre à la ville, soit monter sur Delma, soit sous Boudon, dans différentes directions. Il faut dire que les personnes très légères, on peut être toujours là, pour qu'on ait un nouveau axe, que monsieur a bloqué. Nous avons plusieurs conteneurs toujours là. Et je dis, nous avons remarqué l'autre nouveau conteneur qui vient avec. Nous avons remarqué, je dis un nouveau conteneur, mais ça a été venu avec, il est toujours là, monsieur, pour qu'on bloque aucun nouveau axe de station. Et est-ce que qu'on a qu'à dire qu'il y a plus que j'en dis en la vite assemblée plus voulait reprendre, pardon, en de dans pays, dans la capitale haïtienne, non? Mais on dit, est-ce que, qu'est-ce que tu passé, est-ce que surtout dans la chaîne masse, on est en pile bois, l'État qui, en pile et ministère qui sous chaîne masse, non? Et grand pile entreprise privée tout qui soutient maintenant est-ce que leur passé là dans yo bon côté yo disons bien et comment est-ce que yo ouvert gens qui viennent travailler comment ça y est et dans sujet pour quel tout dans zone côté de basse yo blaze nous basse devant ministère intérieur ministère commerce porte toujours fermé quand ça toujours fermé surtout quand le ministère intérieur lui même dans zone côté il y a dans capable considérer de une zone de non droit dans moment là son zone de non droit surtout par rapport nous connaît ti monsieur Belé aussi dans dol avec c'est dans dol ministère intérieur avec ministère avec supérieur de contrôle là c'est là yo a opéré et ben nous capable dire zone ça yo espace ça même yo pas fréquentable ni pas gien monde tout qui descend là dedans al travail de cette zone mais concernant l'hôpital général puisque est-ce que monde toujours pas arriver dans zone ça ou bien est-ce que c'est toujours mec blendé yo qui déjà sillonner dans zone ça
Et pour je dis, nous avons remarqué quelques grands monde qui ont tenté de vivre, quelques grands bagages qui ont gagné dans l'espace là, mais nous pas aussi facile. Nous pas aussi facile parce que la zone est toujours impraticable. La zone est toujours impraticable. Vie est toujours toujours une petite détonation dans la zone là, mais il y a quelques grands monde qui toujours qui risquent, qui ont gagné quelques grands bagages dans l'hôpital général, qui risquent à retirer quelques bagages qui ont gagné, qui pas de bouler, quelques marchandises qui pas de bouler. Maintenant, de côté, nous avons plusieurs monde qui t'a essayé prendre quelques bagages marchandises qui pas de bouler. Pendant nous te font pour pied tout bon l'hôpital général là dans tourner nous blaze nous pas connait qui ça qui gagne en dedans périmètre parler à mais nous te remarqué plusieurs machines officielles t'a sorti en dedans en dans espace la blaze plusieurs machines officielles t'a sorti là mais nous pas connait vraiment qui ça qui te gagne yo t'a accompagné avec deux blindés mais t'es dans pile en pile machine et qui t'a sorti en dedans parler. Eh, il a dit, il est la réunion, blindé. Et, mais, nous avons dit qu'il dit, c'est que l'hôpital général a toujours été fermé. Toujours été fermé, Blaise, toujours été fermé. C'est de l'eau sale, fatra, la boue, c'est ça, yo, et bien, aux jeunes, n'a pas aimé ça, yo. Et vous commencez à arriver, bon, faculté à Blaise, c'est ça, seulement aux jeunes, c'est fatra, la boue, de l'eau sale, là. Et là, on s'est désiré. Très bien. Et dans différents espaces, qu'on passe, parce que moi, on connaît moins attaché avec ça, en pile, entreprises commerciales et banques commerciales, est-ce que vous l'ouvrez pour bailler mon service? Et si machin qui dans l'informel, si ça, qui gagne beaucoup de sous-tête, qui a vendu l'eau, ça, qui bon la ria, qui gagne bac surette, et comment est la vie aller dans ce salon différent pour tout passer? Mais au niveau de route nationale numéro 1 pour la station Gonaïve, nous avons déjà plusieurs petites machines présentes et nous avons remarqué tout plusieurs camionnettes qui est en direction de Kouabosal. Là, ça veut dire depuis qu'il y a des camionnettes qui descendent au niveau de Kouabosal, ça veut dire de toute façon Kouabosal là lui-même commence à gagner activité là de malgré nous-mêmes nous pas arrivé. Mais depuis qu'il y a des camionnettes qui fait aller-retour, c'est que gagner la vie qu'on commence à reprendre au niveau du centre-ville là, nous capables de dire qu'on marche qui gagne dans la capitale là lui-même la vie commencer à prendre tout. Sous chaîne Massa, tout c'est même quatre figurants. Il y a marchand de bouillie, marchand de riz dans bouetcho, marchand de l'eau, il y a plusieurs. Et bien, marchand de marché, tout n'a plus faut permettre nous passer au 10 venus. Très bien. En garde, et pour l'appli qui a tombé presque sous tout pays, n'importe quoi, c'est différent espace que tu passé, et pas de gars qui enregistré, qui j'en ouais ça y est. Et nous pouvons joindre des gars qui ont été mis dans la route et qui étaient déjà commencé à craser, qui finit par craser net par rapport à l'eau qui dormit là-dedans. La route nationale, ça n'a pas existé encore. C'est seulement tout la boue fatra. C'est ça qui gagne au niveau de la route nationale. Là, pas gagne soit encore pas ou pas un figuier, soit encore un figuier béton. Il n'y a aucun espace en route nationale. Là. C'est tout fatra, la boue, l'eau sale, c'est ça ou seulement aux jeunes sur route nationale. Là. Même à Yopoato, là, pour nos difficultés, pour ça, tout par rapport avec un fatra qui gagne dans la route, l'eau à tout qui dormi devant Brana, il a commencé à manger. Il a mangé, il a dit fou et beau tout devant. Faut dire que c'est route qui peut s'endommager dans le moment des vidéos. Très bien. Kounia, on essaie de regarder. Pour question de gaz, et cause information fait quoi que terminal là, que n'est pas examen, tu prends contrôle, tu empêches la machine à le charger là-dedans. Et la police fait quoi que tu prends contrôle la situation. Est-ce que gaz a distribué? Non, et pompe gaz, yo, est-ce qu'on remarque machine, motocyclette, qu'elle fait gaz avec facilité? Sinon, si c'est dans la rue qui a passé gaz, combien de gallons avant dans la rue? Déjà matin, je me dis là, nous avons marqué plusieurs camions déjà en prison devant la barrière terminale barrière. Nous même c'est facilité de passer nos patrouilles pour nous déconner est-ce qu'ils sont entrés ou pas. Mais pour journée, nous faisons l'autre parcours, nous avons remarqué présence pompe qui a distribué gaz pour journée. Nous pouvons remarquer ça, nous n'avons pas prêté tant pour demain. C'est vrai parce que c'est jeudi à camion même descend. C'est jeudi à camion descend. Mais gallon gaz à lui-même toujours à 2300 dollars, gain l'autre côté toujours à 2350 dollars jusqu'à présent, n'a pas là. Très bien. Merci à son. Et nous allons aller à Kelito, mais qu'on y a un nous a dit nous que, et par rapport avec la présence policière, est-ce que son chien de masque toujours vraiment, il y a une présence policière qui a permis, et messieurs, dames, Lameyo, et qui a regardé comment que, aujourd'hui, le jeu a capable d'assurer sécurité et population haïtienne, surtout au niveau de Samoun qui fréquente le chien de masque. Ou t'as parlé de la lutte qui est écrasée dans, ou on dit, route nationale numéro 1, on va parler de route aéroport, mais ma regardé tout la lutte en tout zone, lorsque je suis pas en l'air, en haut la luzon piro mais la lue ap descend pour après qu'a faut passer machin pour venir entrer sur chaîne maintenant là au Kelito m'a regardé là c'est de côté que ça s'écraser Kelito.
La occasion net, la occasion net, et sorti de pour côté ou sorti sous nazon, ou après en bas lumière la libleza, c'est le premier ça qui tombe en jour, c'est un gros pile fatra, l'étant comme mode, ni ou te yon bus, tellement ça haut, aucune autorité pas ou elle, et c'est là nous capables de machine, cap descendre par lui, c'est le principal lieu, il y a toujours c'est là où passé, ça veut dire, nous pas connaissons pas, c'est parce que vite ou tente, yon pas ou fatra ça. Mais vous fatra ça des jours en jour, les vins plus haut. Descend encore plus fatra ça dans le temps. Quel est le fatra ça dans qui bloque exactement? Est-ce que c'est lorsque si Bisnazo doit faire quitter Mangéo, c'est arrivé en bas de la rue, là, pour virer descendre, non? Ou dis-moi, le soir, les soupes à l'égard, bon, atcom. Et qui côté exactement? Ok, bloc. En entrée, fatra ça, lui-même, il est entré, Riel Vaillant. Il est entré, Riel Vaillant. Ok, moi qui bon. Non, entrée, bon, Riel Vaillant, côté l'école à Justin Delgade là. Tout à fait belge. L'on descend plus bas encore, bon, Olympic Market, l'offre à l'quitter bien, si côté qui gagne, si marché encore, là encore, yeah. Bien, pile fatra encore. Si deux machines à venir, y'en obligé de camper pour le temps, on l'autre passe, parce que deux machines pas qu'à passer ensemble. C'est y'en camper, bah, l'autre passe. Non, t'as l'air, et là, on dit, là, lui, c'est deux voiliers, on voit descendre, on voit monter. Est-ce que c'est comme si ça a monté à la montée, et descendre n'a pas qu'à faire dans le même moment, ou dit, mais si descendre n'a qu'à descendre, monter n'a pas qu'à faire dans le même moment. Est-ce que vous l'avez dit? Ok, bon, merci, au niveau de Riel Vaillant, machine qui a sorti en le nazon pour descendre bas la lui, lui-même la capable de descendre. Si bien on cap monte au la lui, la obligé de prendre sa cap descendre pour lui-même. Okay. On arrive bon machine à tenir là, c'est une machine qui a accès, c'est ça cap monte, mais ça cap descendre lui-même qui pas accès, faut lui tendre la fin passe. Bon, ça peut être qui pas nous si y a l'isolation immédiate. Ça peut être qui pas nous, mes amis. Oui, en avance, c'est que l'ito, qu'on y a la descente tout bon immigration. Est-ce que l'immigration fonctionne que l'ito? Non, bah ça fait, bon, il ferme normalement. Il ferme pas fonctionner même immigration. Ça va fonctionner, Blaise. Bio, ça va pas fonctionner. Nous pas repris pour la ouvre. Et fond dit, pourquoi bio l'état sujet pas nous? Nous connaissons l'espace, nous passons, nous pouvons ouvrir bio l'état qui ouvre, Blaise. Nous pouvons ouvrir bio l'état qui ouvre. Même barrière pour ta ouvre, pour ta ouvre, c'est qui quand pour ta ouvre, toujours fermé à gros cadenas, Blaise. Et à rappeler que le ministère de communication, nous connaissons le ministère de communication qui tourne un abri par rapport avec les gens qui te. Et qui a le réfugié dans le ministère de communication. Oui, on va parler de communication qui est sous Braverna. Tout à fait, Blaise. Et quel est ton merci à Pélu, là, en bas, qu'on est non, c'est comme un gars où tu es ou même où tu es pour essayer d'aller sous ce côté, ouais. Et qui s'est appuyé si va gagner, il était pour nous dire merci. Tout à fait, Blaise, on a croisé pour notre émission, Blaise. D'accord, merci à Pélu Kelito. Et c'est avec nos collaborateurs, nos frères Kelito Banat, qu'on a en regardé avec Claude Naïde Antoine. Et parti Claude, non, papa. Et Claude Naïde Antoine. Et parti Claude, c'est. Ouais, Claude Joseph, il a accepté appel à Sobali. On va prendre l'abdoul de Claude, parce que c'est Jean-Charles Moïse. Il a accepté ça, ça va déranger. Et Claude Naïde Antoine, qui est différent de Claude Joseph, on comprend ça, le dit. Et Claude Naïde Antoine, comment est-ce que et comment ça est, puisque on même fait zone bon, nationale numéro 1, zone 7, 4, zone la couronne, 4, 5, 4, 5, ou passer zone 3, mais ou pas passer trop loin. Et là, comment on est son ça y est? Est-ce que l'avion commence à voler? Qui ça passe? Ça gagne même Claude Antoine. Bonjour Blaise Peterson, bonjour avec Desi Venès, bonjour, bonsoir à tout le monde qui est connecté. Mais cette nouvelle et qui a suivi l'émission Parler pour changement jeudi, je suis très content ensemble avec nous, pour capable de partager l'information ensemble avec nous et faire connaître ça qui gagne. Mais comme détail, dans Port-au-Prince, Blaise, nous allons aller dans cause porte là d'abord. Nous sommes capables de dire depuis hier, il y a plusieurs lignes aériennes qui ont annoncé que vous avez repris le vol. Sur Haïti, hier, il y a plusieurs coups d'âme qui ont tiré dans le parage airport là. Il y a un pile coups d'âme qui ont tiré dans le parage airport là. Et ça, qui est venu la cause, c'est un gros marché pressé. Dans l'espace ailleurs, et c'était monsieur qui était sorti dans zone Chada, quoi, des missions qui est sous l'obédience chez Méchant, c'est eux-mêmes qui étaient prêts direction airport là, mais qui t'a tiré dans pareil ça, mais c'était un pile marché pressé dans zone ailleurs, et nous étions capables de dire, jusqu'à moment où on a parlé de la Blaise, nous ne pouvons jamais remarquer un avion qui passait sous tête. Nous ne pouvons pas remarquer un avion qui passait sous tête, soit qui sortit aux États-Unis pour entrer à Haïti, ou qui reste dans l'autre pays. Ou du moins, ça sorti Haïti pour prendre direction yon l'autre pays, ça pour qu'on fait. Depuis hier, t'es capable de dire, t'es annoncé, vol yon tap reprendre, jusqu'à moment m'a parlé là, pour qu'on ait un avion, qui
soit sorti ou du moins c'est rentré en Haïti pour jusqu'à moment m'a parlé là. Seulement ça nous capable en les têtes nous c'est seulement hélicoptère nous capable remarquer qui a pas fait va et vient sous tête nous traverser plusieurs zones dans région métropolitaine non, mais ça qui gain pour avec avion qui t'a supposé reprendre Polio et ben pas ça du tout jusqu'à moment m'a parlé là. Est-ce que vous mettez date là pour l'autre clair ou du moins ça nous pas connaît. Mais depuis hier, tu as gagné un coup d'âme qui t'a tiré dans le parage et tout ce l'ouverture là qui est dans la zone Maïgate, tu as gagné tiré dans la zone ça. Eh bien, oui, activité, voyons même, nous ne sommes pas capables de reprendre en Haïti jusqu'à moment nous avons parlé là. Bonne tournée, très rapide, nous rentrons dans le pays pour nous capables de dire ensemble.